Nous sommes de retour dans la maison des maternelles ensemble jusqu'à 10h05, 10h10 en fonction de notre humeur, n'importe quoi. Bonjour Anna Roy. Bonjour Agathe. Heureux en fait. Oui, c'est ça. Alors Anna, quand on vient d'accoucher, il y a le fameux retour de couche. Et donc si on ne veut pas l'avoir, il faut penser à peut-être un nouveau mode de contraception. Exactement, on va parler de mode de contraception qui concerne environ 5% des patientes. Implant, patch, anneau. Ok, au moins voilà, c'est clair. Benjamin Muller, on s'est bien marré dans votre journal. C'est vrai, avec Olivier de Benoît, l'humoriste, c'est vrai qu'on s'est bien marré. On sent qu'il est en plein dedans. Hein. Je vous rappelle qu'il a 4 enfants, il fait un spectacle sur le sujet. Donc le replay, c'est France.tv, le journal des maternelles. Marie Perarnaud. Oui, aujourd'hui, je vais vous guider vers le sommeil. Enfin, vous et vos enfants. Oh là, quelle embellie. Comment est-ce qu'on se construit un petit rituel vers le sommeil, un rituel du coucher personnalisé? Comment est-ce qu'on se dédramatise aussi un petit peu ce rituel? Et puis l'idée, c'est quand même qu'ils dorment, donc qu'ils soient efficaces. Alors, on a fait moult émissions sur le sommeil pour vous donner des astuces pour endormir les enfants. Il y en a une qui revient chez tous les spécialistes, c'est le fameux rituel justement qu'il faut créer et que vous pouvez personnaliser en fonction de ce que vous aimez. Ça peut être une petite histoire ou autre chose. Marie, vous allez nous... Ouais, voilà, une petite pizza 4 fromages. Une calzone avec œuf un peu moins cuit, c'est vous qui voyez. On va en parler, donc ce sera dans les 19. Voilà, dans les 30 minutes à peu près. En attendant, entre frères et sœurs, c'est plutôt je t'aime moi non plus, et ce dès le plus jeune âge. On ne passe pas, nous parents, si on a des enfants entre 18 mois et 6 ans, 8 ans même, hein. On ne passe pas une journée sans avoir une dispute, un hurlement qui perce le tympan et une envie de fuir en Amérique centrale. Donc, il était temps d'en parler, quoi. C'est l'heure de partager. Il en va dans les fratries, comme dans toutes les histoires d'amour. Il y a des jours où on s'adore et d'autres où on ne peut plus se saquer. Voilà, mais rien à faire, les parents ont toujours du mal à voir leurs enfants se chamailler. C'est vrai que ça, à la fois, ça nous énerve, en même temps, ça nous déchire, parce qu'on voudrait... qui s'adorent, qui se fassent des bisous. Et derrière ces conflits se cache un sentiment un petit peu honteux, qui est la jalousie, évidemment. Comment comprendre et gérer ces rivalités? Est-ce que ça passe avec le temps? Pour nous en parler, un témoin, Aurélien. Bonjour. Témoin de ces disputes. Bonjour, Aurélien. Vous êtes le papa d'Alban, qui a 3 ans et demi, et de Garance, qui a 22 mois. Et bien, vos filles se disputent régulièrement, ouais. On va le dire. Et vous êtes évidemment preneur de conseils, tout comme nous, pour faire face à ces conflits. C'est vrai que 3 ans, 22 mois, là... Ouais. Vous êtes dans le dur. Un peu la course. Vous allez nous raconter ça. À vos côtés, il y a Frédéric Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Donc, on voudrait un peu savoir, grâce à vous, ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Oui. Parce qu'on aimerait mieux les comprendre pour mieux gérer ces conflits. Aurélien, comment se passe la photo alors, entre vos filles et la photo? La relation, c'est parce que je vois qu'on va mettre une photo. La relation entre vos deux filles? Bah, elles ont une relation très fusionnelle. Surtout que depuis... Regardez la photo, la fameuse, comme elles sont belles. Elles sont belles, mes filles. Oh, elles n'ont pas l'air de se disputer, en tout cas. Non, elles se chamaillent un peu, quoi. Mais, elles sont très fusionnelles depuis que Garance a 6 mois. Elles sont trop belles. Elles sont vraiment rentrées en je ne sais pas comment on peut dire, mais fusion. En fusion. Et, donc, c'est très agréable. C'est très agréable, mais... des fois, ça chamaille un petit peu. C'est fréquent ou c'est de temps en temps? C'est surtout quand maman n'est pas là. Maman, elle travaille de nuit, donc moi, le soir, je rentre et... Et après la journée de boulot, c'est... Ouais, ça, on connaît. Alors, comment ça se passe, leur dispute? Racontez-nous un peu, pour nous rassurer, pour se dire qu'on n'est pas seul. Quand il y en a une qui prend un yaourt vert, l'autre 20 yaourts verts, quand on met la table, elle se chamaille sur les couverts, elle se chamaille sur les poupées. Donc, par exemple, vous mettez l'assiette, le verre rouge à l'une, et l'autre veut absolument le verre c'est rouge, ça. C'est ça. Donc là, on est un peu embêtés parce qu'on n'a qu'un verre rouge. Donc voilà, on met des verres normaux. Des donc vous n'achetez pas tout en double? Non, pas tout en double. Voilà. Alors justement, vous avez acheté une poupée? On a acheté une poupée et on a vu la tristesse. Une poupée, pas deux. Une poupée pour Alban. Et on a vu la tristesse sur les yeux de Garance. Et le lendemain matin, on est parti lui acheter la même, quoi. Et ben, on en est tous là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, Frédéric Lambert, est-ce que la jalousie dans la fratrie, c'est une étape inévitable? Absolument. J'ai envie de dire oui, c'est inévitable et même il ne faut surtout pas l'éviter. Et les familles ou les parents qui disent que dans leur famille, il n'y a pas de jalousie, c'est qu'à mon sens, ils sont passés à côté de quelque chose. Ah, c'est ça qui vous inquiète, c'est s'il n'y en a pas? Oui, voilà. Et parce on est rassurés par cette Ah ouais, vous ne serez pas inquiété par ma famille, du coup. Ah non, vous n'êtes pas inquiété chez moi non plus. Oula. Alors, c'est un sentiment naturel qui traverse la vie, qu'on soit grand et qu'on soit petit. Tout à l'heure, on était
en train d'attendre le tournage, là. Et on a discuté entre nous de nos souvenirs avec la jalousie et de nos expériences avec cela. Et on a regardé Benjamin Muller avec moi, hein. C'est terrible. Hein. Voilà, comme tout à l'heure, vous avez pu montrer quelques éléments de cela. Donc, ce n'est pas honteux. Oui. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas bien. C'est comme ça, comme avec les enfants. Les sentiments, ça fait partie de la vie. C'est ni bien ni mal. C'est à prendre comme ça vient. On a une question de Léa sur Facebook. Est-ce que la jalousie touche plus les aînés que les cadets? Ou est-ce que cela peut s'exprimer dans les deux sens? Alors, en effet, pour les cadets, ce sentiment est souvent beaucoup plus intense. Pour les aînés, pardon. Ce sentiment est souvent beaucoup plus intense. Pourquoi? Parce qu'en plus d'avoir à partager et d'accueillir un nouveau, souvent les enfants vont se poser une question insupportable, c'est qu'est-ce qui a pris à mes parents de faire un nouvel enfant? Et pour répondre à cette question, ils vont se construire des petits scénarios, ils vont inventer des théories, des histoires, pour essayer de mettre du sens à cette question. Ils se disent « j'étais pas assez bien ». Voilà, ça peut être ça, absolument. C'est triste. Ou bien ils ont fait un petit garçon quand on est une fille parce qu'ils n'aiment pas les filles. Ou bien c'est à cause de moi, je n'ai pas été assez gentille avec maman ou avec papa, ou que sais-je encore, oui. Et ces petits scénarios, ces petites histoires, c'est souvent difficile de les connaître, de les décoder. Hein, quand on est une grande personne. Ah bah, ça, c'est sûr. Alors là, pour le coup, on est bien démunis. Aurélien, est-ce que la jalousie s'exprime plus de l'aînée envers la petite? Quand même. Elles sont toutes les deux jalouses, mais c'est plus l'aînée. L'aînée, elle était avec la petite à la main, mais elles étaient toutes les deux. Donc, elles étaient dans un petit cocon où il y avait 8 enfants. Alban est rentré à l'école cette année où elle s'est retrouvée à 28. Donc, elle a pris un peu de confiance, un peu de poil sur la... Ouais, et puis, du coup, dès que Garance a un jouet qui l'attire, elle n'hésite pas à lui arracher des mains. Oui, alors il y a le problème du partage aussi, qui est assez récurrent. Et comment avait réagi Alban quand vous lui aviez annoncé qu'elle allait avoir une petite sœur? Elle était très contente, parce qu'elle voyait des autres enfants à la main. Mais quelle du coup... famille, oh là là. Ouais. C'est tous beaux, là, ouais, c'est un truc de dingue. Surtout moi. Oui, c'est vrai, Aurélien. Non, mais il faut quand même le dire. C'est surtout les gènes du père. Hein. Ouais, c'est ça. Plaisante. Comment s'appelle votre femme? Mera. Bon, ma Mera, pardon. Ouais. Hein, je suis obligée de mentir parce qu'il est là, présent. Et du coup, c'était quoi la question? J'ai oublié aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Comment elle avait réagi à l'annonce? Elle a très bien réagi. Et quand elle a vu Garance dans le berceau, elle était un peu... Enfin, elle était triste parce qu'elle pensait qu'elle allait jouer tout de suite avec. Oui, c'est ça. Donc, elle était... Il y a une déception, on dira, c'est ça, ouais. C'est ce nouveau-né qui nous parle. Même, il y a des enfants qui réagissent parce qu'il y a comme une erreur sur la livraison. Oui, c'est ça. Ils avaient commandé un petit pareil, un petit copain pour jouer et faire pareil que... Enfin, faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et quand ils voient arriver ce bébé qui fait que pleurer, que avoir besoin de manger et que d'attirer l'attention, là, il y a vraiment un sentiment quelquefois de tromperie. Hein, chez les enfants. Mais elle s'en est beaucoup occupée durant les premiers mois, lui donner à manger, lui donner un peu le biberon. Ouais. Vraiment très attentionnée. Elle a fait la petite maman. Ouais, quoi. Très attentionnée. Voilà. Frédéric Lambert, on a reçu pour vous une question de Camille. Je suis maman de 2 enfants, un fils de 4 ans et une fille de 21 mois. Je suis aussi actuellement enceinte de 4 mois. Ma fille est très jalouse. Est très possessive aussi. Elle crie et elle tape son frère quand son frère vient nous faire des câlins ou des bisous. Comment pourrait-on gérer l'éventuelle jalousie de notre fille vis-à-vis du troisième bébé qui va arriver quand il viendra au monde? Eh oui, bonne question. C'est un enfant de 2-3 ans. On sait que c'est l'âge un peu compliqué. Oui. Comment on peut le préparer à l'arrivée d'un autre bébé? Alors, vous posez la question de prévenir. Alors, je vais un peu d'abord, dans un premier temps, avant de répondre plus précisément, contourner les choses en disant que j'ai envie de dire aussi aux parents qu'ils ont à se préparer au fait que leur aîné va devoir accueillir un nouvel enfant. Pourquoi? Parce que c'est d'abord le choix des parents, d'une part, et puis que leur aîné va forcément, comme on l'a dit au début, du fait du caractère naturel de la jalousie, va forcément vivre la jalousie, ressentir cette jalousie, et ça va forcément changer sa vie. Il faut qu'on se le dise, quoi. Il faut qu'on intègre. De toute façon, il y aura de la jalousie, c'est normal. Voilà. Hein, donc ça, c'est la première étape. Mais se préparer aussi, en tant que parent, à ce que l'aîné vous aime moins, peut-être, pendant un temps. Hein, c'est-à-dire qu'il aura le sentiment d'être moins aimé,
par exemple, et donc il risque de moins vous aimer, de vous en vouloir. Il peut aussi ne pas avoir envie d'aimer son petit frère ou sa petite sœur, et ça non plus, on ne pourra pas l'obliger. Il a bien le droit de ne pas aimer ce petit frère ou cette petite sœur qui va arriver. Je sens que le tuto sur la contraception d'Anna va très très bien marcher par rapport au deuxième enfant. Donc il faut se préparer aussi, nous. Voilà, en tant que parent, on doit se préparer au fait qu'on va peut-être voir notre aîné malheureux, qu'on va s'en sentir coupable aussi. Mais alors là, dans ce cas-là, ce n'est pas un aîné, c'est un deuxième. Qu'est-ce qu'on lui dit à cet enfant qui a 2-3 ans ? Alors là, cette petite fille, c'est un peu particulier. C'est qu'elle est déjà jalouse vis-à-vis de son frère aîné. Donc, parce qu'il a quelque chose ou il sait faire des choses qu'elle ne sait pas faire. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'elle va se retrouver dans la position du milieu. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a un grand frère qu'elle peut jalouser. Elle peut elle-même être jalousée par le grand frère. Et ensuite, elle va avoir un petit frère ou une petite sœur qu'elle va potentiellement jalouser. Ce qu'il y a de particulier aussi ici, c'est que cette petite fille de 21 mois tape. Elle frappe. C'est-à-dire qu'elle a trouvé le moyen, comme c'est un sentiment désagréable, la jalousie, il faut s'en débarrasser. Et les enfants, ils créent des petits scénarios, comme je l'ai dit, mais ils ont aussi des comportements pour tenter de se débarrasser de ce qui les dérange. Donc, ils ont quelque chose qui les dérange au-dedans, une émotion forte, une colère, une tristesse. Et cette petite fille, elle a trouvé le moyen, elle, de se débarrasser du problème en attaquant celui qui la dérange. C'est-à-dire, si j'enlève mon grand frère, je vais être débarrassée de mon problème au-dedans. Hein, c'est-à-dire, sentir quelque chose au-dedans qui dérange et essayer, tenter de l'éliminer à l'extérieur. C'est une façon de procéder, sauf que... Mais alors, on fait quoi ? Parce que c'est ça, nous, qu'on veut savoir. C'est que, comment on réagit ? Parce qu'on comprend maintenant, voilà, à la lumière de ce que vous nous expliquez. C'est une façon de se protéger et de se défendre, de se sentir... Mais nous, on réagit comment, alors, en tant que parents ? Eh bien, déjà, taper, c'est interdit. Mmh. Je crois qu'on y reviendra après, mais... Mmh. Taper, qu'on ait 21 mois, 10 ans, 30 ans ou 50 ans, c'est interdit. Que ce soit son grand frère, son petit frère ou sa petite sœur qui va arriver, comme les copains à l'école, comme le papa ou la maman. D'accord. Donc on doit déjà poser les limites, les règles de la famille et de la société. Alors la jalousie, on l'a vu, hein, c'est pas si grave, mais comment gérer les rivalités fraternelles au quotidien quand on est parent ? Parce qu'il faut faire redescendre la pression. Ludivine, maman d'Emilia, 7 ans, et Victoria, 3 ans, nous a reçus chez elle dans l'Oise. C'est un reportage de Fleur Mongibaud. Des gâteaux. Si Emilia et sa sœur Victoria partagent la même chambre, en ce qui concerne les jouets, c'est du chacun pour soi. Là, on a des bacs avec... Qui descend dessus. Là, c'est à manger, là, c'est pour faire à manger, là, des bébés. Moi, la cuisine. Ouais. Parfois, quand je joue avec, et Victoria, elle veut, et je lui dis non, et après, elle commence à pleurer. Et ça se termine comment ? Bah, après, maman, elle crie. L'entente entre frère et sœur, ou sœur et sœur, ou frère et frère, c'est pour moi important. Et je veux que mes filles aient le même lien que moi j'ai avec mon frère. Ce lien, c'est plus fort que tout, en fait, voilà. Pourtant, avec 5 ans d'écart et 2 papas différents, la relation entre les deux sœurs n'a pas été évidente. Ça a commencé dès la maternité, quand Emilia elle est venue me voir. Elle ne voulait pas embrasser sa sœur, elle ne voulait pas toucher sa sœur, elle ne voulait rien. Je me suis dit... Est-ce que je vais arriver à créer un lien entre elles ? Difficile pour Emilia, après 4 ans de relation fusionnelle avec sa mère, d'accepter l'arrivée d'un nouveau bébé. Une situation que cette maman a su gérer avec délicatesse. Je me suis dit qu'il ne fallait pas la braquer en lui disant « va voir ta sœur, va voir ta sœur ». Non, je me suis dit « on va prendre... » son temps à elle, et au fur et à mesure, bah, du coup, elle a été la voir, elle lui a fait des bisous, elle l'a même portée, elle lui a donné le biberon, elle a essayé de lui changer la couche. Pour autant, aujourd'hui, faire régner l'harmonie entre les deux sœurs est un véritable défi, surtout lorsqu'elles réclament en même temps l'attention de leur maman. Ah oui, je sais, c'est les tables, on les a déjà faites. Mais ça, c'est quand t'as... Ça, sans faire ça. Merci. Qu'est-ce que tu fais ? Non, je joue.
Ça, c'est à l'école, ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça, s'il te plaît. Elle vadrouille un peu partout, et quand je l'entends plus, je sais qu'il y a une bêtise qui est derrière. Mais ça, c'est juste pour attirer mon attention et pour me dire « Maman, je suis là aussi. Je suis là. Moi aussi, j'ai besoin d'attention. » T'en as oublié. Lequel ? Non, mais Amy, mais alors. Tout à l'heure, je t'ai dit de ne pas partager. Les filles, non. Les feutres, on les laisse là. D'accord ? On les laisse au milieu. Oui, d'accord, Amy ? D'accord, Victoria ? Oui, maman. J'interviens vraiment tout le temps. Tout le temps. Je me répète. C'est presque un disque rayé, en fait. Des ajustements nécessaires, mais avec le temps, les deux sœurs ont su créer une belle complicité. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle aime les mêmes goûts que moi et qu'elle me demande pour que je joue avec elle. Tu veux orange ou violet ? Violet. Violet. Ok, ça marche. Tu veux du bleu ? Quand tout s'apaise au final... Tout va bien. Frédéric Lambert. Non, c'est pas. Fais tout le monde. Frédéric Lambert, on a reçu. Oui. Non, Marie. Non. On a reçu une question pour vous d'Audrey. Oui. La maison des maternelles, je suis Audrey, maman d'Elsa, 6 ans, et Louis, 20 mois. Depuis un an et demi, Elsa a régressé. Elle crie, elle parle en bébé, elle se roule par terre. Malgré qu'on s'occupe d'elle et de son petit frère en individualité, elle a l'impression qu'on s'occupe moins d'elle et qu'on l'aime moins. Donc, est-ce qu'on peut avoir des solutions pour que le quotidien revienne un petit peu plus sereinement à la maison ? Merci. C'est vrai que les enfants sont ingrats. Ils vont vous dire, tu t'occupes pas de moi, tu m'aimes pas, tout ça. Bah, ils font du chantage affectif, ouais. Ils sont pas fous. Est-ce que vous avez des solutions ? Alors, là, des solutions. Des pistes ? Oui. Des outils ? Non, des solutions. Des astuces. Je pense que quand on s'attaque au comportement, on essaye, nous, en tant que parents, de contourner la blessure que peut ressentir l'enfant. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu une petite fille qui avait trouvé le moyen pour se débarrasser de sa gêne du dedans, d'éliminer l'autre à l'extérieur. Ici, on a une petite fille qui, depuis un an et demi, ce qui commence à durer, a des comportements en plus de régression. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'attaquer au bébé, ce qui est déjà une bonne chose, un premier apprentissage, mais elle s'attaque elle-même et elle essaye sans doute, d'une certaine façon, de redevenir un bébé pour retrouver sa place, la place qu'elle a perdue. Oui, c'est un grand classique, auprès les régressions, de sa maman. D'ailleurs. Oui, en général, ça ne passe pas. C'est aussi une création de l'enfant qui cherche vraiment des solutions par rapport à ce qui dérange. Oui, mais alors, du coup, nous, on fait quoi ? On intègre ça, on l'accepte, on rentre dans le jeu ou comment est-ce qu'on doit alors, se comporter ? Alors, rentrer dans le jeu de la régression, simplement, c'est montrer, enfin, ne pas rentrer dans le jeu plutôt, c'est montrer qu'on voit que l'enfant essaye, a fait des tentatives plus ou moins maladroite, plus ou moins douloureuse pour lui, pour essayer de résoudre ce conflit dans son... Est-ce qu'on lui en parle en disant « je vois bien que ça t'ennuie que... » Oui. Même si l'enfant ne le verbalise pas, est-ce que ce n'est pas à nous justement de délivrer le message qu'il attend ? Exactement, de mettre les mots qui vont pouvoir lui permettre d'arrêter d'agir, d'avoir des comportements d'attaque vis-à-vis de l'extérieur ou d'attaque vis-à-vis de soi-même. Quand on nomme les choses, même quand on dit « je crois » que tu souffres de jalousie à un petit d'un an et demi ou deux ans, nommer le mot, et puis on peut lui dire « bah, tu sais, t'es pas le seul ». On peut même, en tant que parent, tenter aussi de se souvenir de ses propres sentiments de jalousie, de sa propre expérience. Ça aide beaucoup les enfants. Ouais. C'est vrai qu'ils aiment bien ça. Alors, situation concrète du quotidien, justement, c'est arrivé chez vous, Aurélien. Elles veulent la même assiette, Alban et Garance. Là, c'est la crise et de ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, concrètement, là encore, je vais un peu décaler, c'est vouloir avoir exactement la même chose, c'est une lutte contre la différence. C'est-à-dire, si on est pareil, tous les deux, ou toutes les deux, ou toutes les deux, ils vont nous on aimer va pareil. Plus se jalouser. On va, ils vont nous aimer pareil. Donc, c'est un petit peu une tentative pour tous les enfants. Tous les enfants font ça, d'instaurer un monde avec une justice, une parité universelle. Or, dans la vie... Je pense qu'on le sait tous ici quand on est adulte, on a à apprendre à un moment que la différence, ça existe, qu'on n'a pas tous la même chose,
qu'on n'est pas tous aimés pareil, qu'on n'est pas tous aimés pour les mêmes choses et qu'on n'aime pas tous les mêmes personnes. Donc, on ne cède pas. Alors, on ne cède pas et on profite même de ce genre de comportement pour permettre à l'enfant d'apprendre quelque chose de fondamental qui est l'accès à la différence entre soi et un autre. Mmh. Vous faites comment? Parce que moi, j'aurais tendance à dire, eh ben, puisque tout le monde la veut, je l'enlève. Ah, moi, je fais ça. Hein. Ouais. Je donne une assiette neutre aussi, et puis voilà, tant pis pour vous. Voilà, je disais avec Benjamin qu'on a un meuble avec un monceau chacun à la maison, je pense que vous... En hauteur, avec des monceaux de jouets qu'on a confisqués, puisque c'était l'objet de... Voilà, c'est-à-dire de se décaler et de ne pas jouer, de ne pas forcément rentrer dans ce jeu. Leur dire que c'est dommage pour elles, quoi. Elles auraient pu en avoir une le midi, une le soir, et puis non, bah tant pis. Très bien. Comment est-ce qu'on enseigne justement la notion de partage à un enfant? Est-ce que vous avez des pistes à nous donner, Frédéric Lambert? Oui. Alors déjà, imposer à l'enfant de partager, c'est juste pas possible. Et l'enfant va essayer de le faire pour faire plaisir aux parents, parce que l'enfant, ça le rend malheureux. Mmh. Mais pour lui, ça peut être une nécessité vitale que de ne pas partager et de garder pour lui ses affaires. C'est une façon de réparer, de tenter de colmater une blessure qu'il sent à l'intérieur. Il y a des enfants qui partagent très bien à l'école et qui, à la maison, vont refuser toute forme de partage. Donc, ne forçons pas les enfants à partager. Ça peut être vécu comme humiliant et peut-être même encore comme une façon d'augmenter leur blessure. Aurélien, est-ce que vous arrivez à montrer à Alban les avantages d'être l'aîné? Est-ce que vous arrivez à lui appuyer sur son statut? On essaye, mais ce n'est pas facile. On lui dit, Alban, tu es le modèle de Garance, donc tout ce que tu vas faire, Garance va le faire. Mais c'est une grosse responsabilité en même temps. Ouais. On lui dit que c'est elle qui va veiller sur sa sœur quand elles vont être ensemble dans la cour de l'école, quand elles vont aller jouer. Et puis le seul truc qu'on fait, c'est qu'on couche Garance en première avec Alban. Comme ça, Alban peut lui dire bonne nuit, peut la coucher, et lui partager un peu l'histoire. Et puis c'est le seul avantage. C'est difficile. Est-ce qu'il faut forcément intervenir quand deux enfants se crient dessus, se hurlent dessus, se tapent dessus? Est-ce que quand il y en a un des deux aussi qui abuse, il faut pointer du doigt celui qui est responsable ou c'est difficile, vaut mieux pas jouer à l'arbitre? Alors voilà, il y a des notions importantes. La question de l'arbitrage, surtout à éviter, de commencer, c'est toujours le pas de côté que doivent essayer, tenter de faire les parents, même si c'est difficile, de ne pas rentrer dans le jeu. Ça, c'est important. Vous pouvez me redire la question? Est-ce qu'on intervient. En fait. Ah oui, la question de l'intervention. Alors, typiquement, ils sont dans leur chambre, ils se hurlent dessus, est-ce qu'on intervient? Oui, tout est question de dosage. Intervention systématique, moi, je ne suis pas pour. Je pense qu'il y a des choses qui doivent se régler entre les enfants. La seule chose que les enfants doivent savoir, c'est que s'il y a danger, s'il y a problème, ils savent que le parent veille, qu'il est là. Donc, je vous vois, je vous entends. Ça, c'est une façon de mettre les enfants en sécurité. Je vous vois, les gars. Oui, voilà. Ça marche bien. Oui. Ça met un petit coup de pression. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais, celui-là? Non, si je peux me permettre, j'ai trouvé un truc super. Oh, ça marche avec mes enfants. Comment faites-vous? Je fais des moments hyper solennels de médiation. Je leur apprends la notion de compromis, de médiation. La fille qui est la mère idéale. Alors écoutez, ce que je fais, c'est formidable. Mais c'est vrai que ça marche, je les assois. Oui. Je dis, c'est chacun son tour, parle et dit ce qu'il a sur le cœur. Mmh. Ils le font. Et après, je dis, bon voilà, à votre avis, qui a tort, qui a raison. Ça se termine toujours par des bisous et des... On s'aime finalement. Mais c'est très intéressant parce que vous les responsabilisez. C'est-à-dire que vous admettez qu'il y a eu un conflit. Donc vous les admettez avec ce conflit et vous tentez avec eux de les responsabiliser dans la résolution. Oui, je trouve ça. Vous avez des astuces à très créatives. Après Maria Montessori, Agathe Le Caron. Voilà. Non, mais alors, du coup, j'ai lu ce que vous disiez et ce matin, mes enfants, comme tous les matins, se hurlaient dessus. Et je suis juste arrivé plutôt que de gueuler. J'ai dit, je vous vois. Et ben ça a marché. Oui. Oh là, ils nous voient, etc. Et après, ils sont calmés. Bon, on verra. Moi, si ça je pense que ce soir, ça avec moi, ils sont trop hystéro. Ça marche pas. Ils vous voient, non, ça c'est sûr. Est-ce que pour terminer, il y a des écarts d'âge plus propices à créer des jalousies? Moi, j'ai l'impression que 2 ans d'écart, c'est un cauchemar, par exemple. Alors, on parlait tout à l'heure de la question de la différence. Quand il y a 2 ans d'écart ou des écarts encore plus courts, c'est vrai que la question de la différence et d'accéder à la différence, ça va être compliqué. Mais moi, j'ai envie de dire qu'un enfant, c'est le désir de 2 parents. Les parents, peut-être, vont prendre en compte dans leur désir à eux de l'âge de leur enfant, en fonction de eux-mêmes ce qu'ils ont vécu. Mais c'est avant tout, ça doit être assumé par les parents. Mmh. Et après,
On voit ce qui se passe. Exactement. Bon, merci Frédéric Lambert pour tous ces conseils. Merci à vous Aurélien d'être venu témoigner dans la maison du maternel. On est assez fascinés par votre famille. C'est très instagrammable. Hein. Très, très instagrammable. Merci. Je vous le dis. Merci à Alexine Besson d'avoir préparé ce dossier. À suivre, les super... pas le du coucher. Tout ça. Non, c'est les astuces pour le coucher. Les astuces pour le coucher. Parce qu'il y a marqué les mamans bricoleuses. Excusez-moi, mais on essaie de détruire ma carrière pendant ce temps-là, ça ne marche pas. Marie Perarnaud, et je le sais, oui, je le sais, a préparé des rituels de coucher tout à l'heure. Et puis, Anna Roy, évidemment, va nous parler contraception. Un appel à témoins, Benjamin. Aller sur le pot, être propre le jour, puis la nuit. Cette étape du développement de l'enfant prend du temps et requiert, bien sûr, de la patience des parents. Alors, lors d'une prochaine émission, nos experts répondront à toutes vos questions sur l'acquisition de la propreté. Donc, n'hésitez pas à leur écrire pour leur faire part de vos expériences et surtout de vos questions sur le sujet. lmdm@2pdl.com. C'est l'heure de pratiquer. J'adore faire mes petites entrées. Bonjour Héloïse. Ça va bien, merci de venir nous voir dans la maison du maternel pour parler d'un sujet qui concerne toutes les femmes. Donc vraiment, merci. On va donc parler, et c'est le deuxième volet d'ailleurs, de contraception ce matin. On a parlé du stérilet la dernière fois. Là, on va parler patch anovaginal, implant contraceptif. Ce sont de vraies alternatives à la pilule. Hein, donc tout voilà, faut le dire. Est-ce que vous connaissez, vous, Héloïse, vous êtes... Axel, il a quel âge votre Il a 3 mois. J'en ai un premier qui a 5 ans et demi aussi. Vous connaissez le patch, etc. Pas du tout. J'en ai entendu parler, mais je connais essentiellement la pilule, un petit peu le stérilet. Mais après... Alors, on va voir. Ça concerne environ 5% des... C'est des pas femmes. Énorme, hein. C'est pas énorme. C'est 4,3% pour le... Non, c'est pas énorme. Alors, on va commencer par le patch, peut-être. Alors, le patch. Le voilà. Mm-hmm. Vous allez voir, ça ressemble... Vous êtes d'accord, ça ressemble à s'y méprendre avec un patch contre la cigarette. Oui, c'est ça. Ça se colle sur le bras ou sur les fesses. Il paraît même sur l'estomac, mais j'ai jamais vu. Ah bon ? Alors ça, c'est pour le coup contre-indiqué quand on allaite. Je sais pas si vous allaitez encore, mais c'est contre-indiqué. Et si on n'allaite pas, on dit qu'il faut attendre entre 4 et 6 semaines pour pouvoir commencer ce type de contraception. Et ça se porte tout le temps, tous les jours ? Alors, ça se porte 3 semaines, puis on arrête une semaine et on le reporte 3 semaines. D'accord. Attention à ces patchs, parce que souvent, les femmes se le passent entre copines. Elles voient ça comme un patch pour la cigarette. Il y a des contre-indications qui sont très importantes à connaître. Pire que la pilule ? Non, comme la pilule œstroprogestative. Donc, il y en a quand même pas mal, des contre-indications. Donc, c'est bien sur prescription d'une sage-femme ou d'un médecin. Après une consultation, pas n'importe comment, comme on veut. Et en plus, j'imagine que on le garde, c'est pas tout le temps le même qu'on garde. Enfin, il y a des choses à savoir. Quoi. Exactement, on change une fois par mois. Enfin, oui, bien sûr. On change une fois par mois. Oui, et il faut savoir aussi que c'est un moyen de contraception assez coûteux. C'est environ 15 euros par mois, non remboursé par la sécurité sociale, donc c'est pas négligeable. Ah non, carrément pas même. Voilà. Alors, l'anneau vaginal maintenant, c'est cette petite chose. Alors, l'anneau vaginal, c'est ça, c'est ce petit rond. On a du mal à imaginer comment se le schlitz. Oui. Alors, on va le voir à l'image, là c'est très bien fait. Voilà, il y a une animation, donc c'est effectivement ça se plie et ça s'insère dans le vagin, tout au fond du vagin. D'accord. Et il reste en place après pendant 3 semaines et après pendant une semaine, on l'a pas, on le remet 3 semaines, enfin à nouveau hein, à chaque fois. Vous voyez, et c'est, comment on sait que c'est bien mis? Alors, normalement, il ne peut pas se mettre n'importe où. Si vous voulez, quand on le met au fond du vagin, il se déploie et on sent bien qu'il est... Et on le sent hein, toute la journée? Alors, normalement, il ne faut pas le sentir. Si on le sent, c'est que certainement, on l'a mal mis. D'accord. Et il ne tombe pas de temps en temps si on a un périnée foireux? Alors, normalement, non. Mais bon, ça peut arriver. Mais cela dit, c'est un bon indice. Et quand on fait l'amour, alors, il ne le sent pas? Alors, voilà. Et alors, il y a des hommes qui se plaignent beaucoup de ce type de moyens de contraception. Ah bon, c'est vrai, ils se plaignent. Parce qu'ils disent, non, à chaque fois, j'ai l'impression de buter. Quelque chose, c'est nous qui vous tapons les anneaux et en plus ils se plaignent. Ça m'en croit rêver. Et là, pareil, attention, on ne se leur file pas entre copines. Consultation sage-femme médecin sur prescription, par pitié. Ah, mais vous savez, j'en ai vu de toutes sortes. C'est vrai. Les couleurs. Eh bien, écoutez, là, franchement. l'implant sous-cutané, alors, ça paraît un peu barbare, non? Alors, l'implant. Non, pas du tout. L'implant sous-cutané, alors là, pour le coup, l'anneau, je ne l'ai pas précisé, ce n'est pas compatible, pareil, avec l'allaitement et pendant les 6 premières semaines après l'accouchement. D'accord. L'implant, lui, au contraire, l'est. Parce qu'il n'y a que des progestatifs. Alors là, on voit, hein, c'est un tout petit bout de plastique, c'est vraiment comme ça. Et ça s'insère avec un espèce de petit dispositif sous le bras, enfin sous la peau du bras. Ça fait mal ? Non, franchement, non. Ah bon ? Par contre, des fois, on a plus de difficultés à le retrouver. Oui. Ah oui, pour l'enlever. Voilà, ça peut... On sait qu'il y a des cas où, effectivement, on a parfois pas mal de mal à le retirer. Si on doit se faire opérer pour l'enlever, c'est quand même un peu dommage. Hein. C'est cela. Alors ça dure 3 ans. Mmh. Les femmes, il y a des femmes... Ça dure 3 ans ? Oui. Alors, il y a ça, des femmes génial, qui sont dithyrambiques et disent « mais c'est le meilleur moyen que j'ai jamais eu toute ma vie ». Et d'autres, au contraire, qui se plaignent beaucoup parce qu'elles disent « mais attendez, moi j'ai eu mes règles tous les jours, ah bon, ou alors j'ai plus de règles du tout, ou alors je me sens vraiment… » Alors,
malheureusement. Donc, ce qui est embêtant, c'est que le problème, c'est tout ce genre de moyens. Ouais. J'ai envie de dire, il faut essayer, il faut trouver sa bonne contraception. Et on ne peut pas le tester avec une pilule Alors voilà, il y a la pilule progestative seule qui a les mêmes types d'hormones. Donc d'accord. Si vous ne supportez déjà pas cette pilule qu'on donne après l'accouchement, pas la peine d'aller vous faire poser l'implant. Okay. Mais l'avantage, vous voyez, de cette compte, c'est que c'est quasiment 100% d'efficacité. Quoi. Ouais, ouais, et puis en plus, c'est 3 ans. Quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est un peu comme le stérilet. Et c'est, une fois que c'est mis, voilà, c'est voilà. Quand même vachement bien. Et tous ces dispositifs, je ne vous l'ai pas précisé, mais sont hormonaux. Hein. On est d'accord, ouais, y a pas de, pour le coup, c'est hormonaux. Alors, une femme qui allait, justement, qu'est-ce que vous conseillez? Donc, allait, bah, de toute façon, elle peut prendre que ça. Les deux autres, c'est non. Facile. Il n'y a que ça. Il n'y a que l'implant. Oui, d'accord. Les autres, c'est même pas la peine d'y penser. Et les autres, ces deux-là, là, patch et anneau, attention, je vous dis, aux contre-indications, hypertension, antécédents d'accident thromboembolique, cancer, enfin, il y a plein de contre-indications, quoi. Ah ouais. Ça se prend pas n'importe comment. Ça fait pas très envie, quand même. Hein. Bah, ça peut être super, mais c'est pour la bonne personne. Il faut trouver le bon moyen. Enfin, et la pilule aussi, quand on allait, on peut pas la prendre? Non, la pilule œstroprogestative, pas question. Ah, on peut prendre que la pilule progestative. Oh bon, sinon, on a qu'à mettre des capotes, non? Alors, il y a beaucoup de femmes qui disent ça, qui disent « Ah, ben moi, de toute façon, on n'avait pas 200 rapports sexuels par mois. » Donc, la capote, en attendant que ça se rapproche, les rapports, on peut éventuellement. Oui, bon, ça a d'autres inconvénients. Hein, mais on en reparlera. Voilà, c'est ça. Voilà, mais bon. On va remercier le planning familial de nous avoir prêté ces différents moyens de contraception, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Hein. Mmh. Et là, je pense que quand on commence à avoir un enfant qui a 3 mois, qu'on a arrêté d'allaiter, c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser toutes ces questions. Hein. Pas forcément un petit peu avant, moi, j'ai un petit parcours un peu particulier de qu'on se posait plusieurs questions. Mmh. Et c'est vrai qu'on nous parle souvent du stérilet, mais pas des autres. Ouais, et c'est dommage. Ah oui, c'est ça. Et c'est dommage parce qu'effectivement, on peut avoir d'autres alternatives. Parce que prendre la pilule tous les jours, c'est bien. Mais et attendez, je le rappelle juste, on peut être enceinte, hein, je le précise, 3 semaines seulement après l'accouchement. Mmh. Ouais, donc d'où l'intérêt de faire ces tutos. J'espère qu'on aura un peu ouvert vos horizons. Merci Louise d'être venue à la maison des maternelles. C'était un plaisir de vous rencontrer. La prochaine fois, on voudrait bien qu'il y ait Axel quand même avec vous. Mais bon, voilà, je veux pas dire, mais là, on aurait bien aimé le voir. Mais bon, on n'a pas eu de bébé voilà, aujourd'hui. On est clac, 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 clac. Marie Perrarnaud, heureusement, est notre petit poupon. Ça va, écoutez, mon poupon? Je crois que mon rituel du coucher marche tellement bien que je me suis endormie moi-même. Eh bien, écoutez, pionçon. Pionçon, je pense que c'est pionçon ou teston. Allez. C'est tout ce qui nous reste. Oui, je suis crevée. Du coup, là, de parler de sommeil, je sais pas comment je vais gérer. Donc, pardonnez-moi. Écoutez, si le message est clair. Oui, oui, c'est vrai. Le message est clair. Passion de vie. J'aimerais en avoir un avec raclette. Et pouvoir interchanger. Et moi, j'ai métro, Subway. Subway, car vous êtes bilingual. I am. Alors, là, votre tuto va vraiment aider les parents. C'est quoi votre rituel du coucher, vous? La petite pas le histoire. Pas de votre enfant. Non, voilà, les dents, le pipi, la petite histoire. C'est bien. Il y a un chercher-trouve d'abord et une histoire pour les deux après. Ah, oh, vous êtes pas mal. Clac, clac, clac. Ouais, alors, c'est vrai que des fois, on peut être un peu stressé par ce rituel du coucher. Surtout au début, on s'impose des fois un milliard de trucs. Ouais, et si ça rate, panique, angoisse. Et c'est vrai que parfois, il y a des parents qui rentrent très tard du boulot et qui se disent « si je ne fais pas le rituel en entier, c'est foutu ». Oui, c'est ça. Voilà, donc on va essayer de s'imposer, entre guillemets, des choses qui ne sont pas justement des choses que l'on s'impose. Essayons de trouver des choses assez classiques qui fonctionnent et qu'on va pouvoir aménager un petit peu. Par exemple, alors chez moi, passer 21h30, genre « ouh, si on a fait la fête », on squeeze quasiment tout, il ne reste plus que la chanson du soir. Donc, il faut être prêt aussi, de temps en temps, à ce que nos enfants soient malléables, entre guillemets. Donc, il y a énormément de rituels du coucher qui circulent sur le web. Là, vous pouvez vous choper des petits rituels. J'ai sélectionné pour vous le plus classique, celui qui est divulgué par le site Mpedia, qui est le site de référence des pour qui pédiatres. Travaillez-vous, Marie-Pierre Arnaud? Oui, je travaille pour Mpedia, qui vous recommande évidemment un repas sans écran, bien au calme, une activité sans écran, donc plutôt un petit livre ou un jeu calme. On se lave les dents, on fait pipi, paf, au lit. L'affaire est dans le sac. J'aime énormément aussi celui proposé par Optoys, qui lui parle de stimuli sensoriels. Alors, stimuli, ce n'est pas le bon terme, mais plutôt des choses un petit peu douces. Ça va être de la chaleur, du bercement, des sons, des musiques douces, des câlins, et puis quelque chose de visuel très apaisant. Donc, on va s'inspirer un petit peu de tout ça et on va fabriquer soi-même le rituel du coucher. Alors, j'ai topé la dodo list de Bimidou, que je trouve assez sympa. Pourquoi? Vous voyez que c'est une petite quelque chose qui est magnétique et sur lequel on va pouvoir ajouter ce que nous on fait. Par exemple, hop, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit d'abord, on commence par se mettre en pyjama, schlack, après on va se laver les dents, après vous faites quoi? Vous m'avez dit petit pipi? Oui. Petit pipi. Petite histoire?
Mais génial. Chaque petite histoire, hop là, on éteint, chaque, on prend son doudou et paf, bonne nuit. Donc c'est cadré, ils savent voilà. Exactement quelles sont et les c'est étapes. C'est eux qui ajustent, c'est-à-dire que si vous faites dans l'ordre différent, vous ajustez. Et puis quand l'enfant a fait, il va enlever, on le félicite. Ah ah, très bien, super, génial. Donc ça, c'est sympa. Après, on peut le faire sur n'importe quoi d'autre, mais je trouve ça chouette de pouvoir. C'est bien, sauf que les manettes, on sait bien qu'on les retrouve au bout de deux jours sous le canapé. On est d'accord, on est d'accord. Voire deux ans après. Oui, c'est vrai. On a en plus dans cette dodo-liste des tickets. Pour un rappel, des tickets dodo. Est-ce que vous connaissez ce principe, Agathe ? Alors, non. Le ticket dodo, est-ce que si vous avez un enfant qui se relève, par exemple, les miens se relèvent toujours parce qu'ils ont mal au ventre, ils ont envie de faire pipi, blablabla. Donc, vous pouvez leur filer, alors ça fonctionne comme ça, mais vous pouvez les fabriquer, des tickets dodo. C'est-à-dire qu'on en a deux et on a le droit de se lever deux fois. Ah, ça, d'accord, c'est génial. Voilà, et c'est, après, c'est tout, c'est fini. Bon, à moins que, voilà. Hein, trop marrant, ça. Donc, ensuite, on va pouvoir utiliser quelques petites astuces pour se faire un petit dodo sympa. Alors, j'aime beaucoup les produits Néobulle. Le pchit détente dodo existe aussi, regardez, une petite huile bien-être. Alors, utilisable à partir de 3 mois. Regardez, c'est très efficace. Regardez. Ah bah. Voilà. Oh, ça a marché, hein, Marie. Ouais, ça marche super bien. Donc, ça sent très sympa. Bon. Oui, ça sent hyper bon. On va pouvoir accompagner aussi son enfant. Voilà, bah, c'est une huile, hein, non, c'est pas non plus. Je pensais que c'était un petit. Une huile, on est intoxiqué, tout va bien. On va pouvoir aussi utiliser la sophrologie. J'aime énormément cette collection. Et en plus, ils ont ajouté une peluche. C'est les émotions de Gaston. Je n'arrive pas à dormir. Alors, on a une histoire, bien entendu. Et surtout, on a un petit exercice de sophrologie qui va emmener notre enfant vers le sommeil. On va l'amener à parler de sa journée et à se détendre. Un livre que je vous recommande pour les enfants qui seraient plutôt à l'école. Celui-ci pour d'accord. Justement ressortir un petit peu les choses. Ensuite, évidemment, on a les veilleuses parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont peur du noir. Donc, alors, je sais qu'il y a plein de spécialistes qui disent on ne met pas de veilleuse, on laisse la lumière du couloir allumée. Néanmoins, je trouve ça quand même sympa de ne pas dormir avec les spotlights c'est quand ça, on a quoi. Sa chambre juste à côté. Donc, les veilleuses, j'aime beaucoup celles de Pabobo. Elles sont quali, elles sont canon. Celle-ci va projeter au plafond un ciel féerique, une génial, petite musique ça. Qui va bien. Canon, avec, alors, soit des sons un peu, une petite mélopée, soit carrément juste des sons de la nature. Hein, génial. C'est sympa, ça fait du bien. Passion. Hop, elle est magnifique. Trop marrante. Et puis, on va avoir pour les plus grands qui vont se lever la nuit ou qui auraient besoin d'une veilleuse d'appoint, cette veilleuse que j'appelle la veilleuse Peter Pan, elle me fait penser à une lanterne et on l'allume en soufflant dessus. Oh. Vous voyez, on approche son petit visage. Vous l'aviez déjà montré, je l'adore. Celle-ci. Je l'aime beaucoup et je trouve que vraiment, c'est un super truc. On peut l'emmener en vacances si on va faire pipi la nuit, vous savez. Oui, c'est un ça. Un petit peu comme Peter Pan. Comme dans un château. Oui, voilà, on aime bien, c'est vraiment très sympa. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est cette veilleuse indicatrice de réveil qui a été repimpée pour devenir également veilleuse. Donc, on aura juste à ajouter notre petit lapin qui dort et elle va faire office de veilleuse en indiquant le moment où on va se coucher et toujours le réveil que l'on connaît. C'est comme dans un rêve, oh, Marie. Je suis crevée. Comme dans un rêve. Mais oui. Un rêve profond, un rêve qui dure 12 heures. Oh, regardez, ça, c'est un cauchemar. Oh, un cauchemar. Benjamin Bulla. Non, c'est pas vrai. Mais alors non. Là, franchement, on peut retrouver tous les tutos de Anna Roy, de Marie Perrin-Arnaud, de Arnaud Pfersdorf, de Benjamin. Il n'y a pas beaucoup de tutos. Mais en tout cas, on peut retrouver les prénoms du jour sur la maison des maternelles. Vous avez oublié Karim Ngosso, non ? Vous avez un problème avec lui ? Parce que vous êtes odieux. Parce que vous n'aimez pas le sport. Sauf quand on me coupe la parole, je ne peux pas terminer ma phrase. Non, j'aime pas trop les squats, en tout cas. J'aime le sport. Benjamin, le prénom du jour, parce qu'on a besoin d'être inspiré, bien sûr, quand on est enceinte. Le prénom du jour, c'est Maeva. Maeva, c'est un prénom polynésien qui veut dire bienvenue. Maeva. C'est pas mal, Maeva. Tout simplement. Pic de naissance en 2001. Tous les jours maintenant. Maëva dans la maison des maternelles. Oui, vous devriez. Ouais. Pic de naissance en 2001, il y a eu 3200 naissances de petites Maëva. Depuis sa baisse, on en a 300 nouvelles Maëva. Donc on peut dire que c'est un prénom encore confidentiel, alors que c'est très beau. On les fête les 14 mars et j'ai une Maëva célèbre, Maëva Cook, Miss France 2018. Et une autre Miss France qui s'appelle Maëva. Maëva Galanterre. Ah, c'est Maëva. Ouais, ça ressemble. J'ai failli la faire. Ouais. Ouais, moi aussi, mais j'étais bien persuadée que c'était Maëva, tiens. Mm-hmm. Eh ben, un livre pour faire passer cette erreur. Bien sûr, en relation avec le sujet du jour, les petits livres de Dolto, Jaloux, pas jaloux, vous savez, c'est cette collection de livres qui exprime aux enfants les sentiments. J'aime bien parce que alors, les mots sont toujours justes, ça exprime vraiment bien ce qu'est la jalousie dans énormément de situations, même celles qui peuvent être un peu gênantes. Rien que de le lire à son enfant quand on a justement des petits conflits, sans attendre derrière qu'il réagisse, ça permet de poser les mots. On n'arrive pas toujours à trouver les bons, donc ce genre de petits livres nous y aide très bien. Voilà. Encore un petit bout. Allez, vous connaissez l'histoire du petit garçon qui crie au loup ?
Oui. Il crie au loup, personne ne le croit, le jour où il y a vraiment un loup, il se fait bouffer. Et bien, c'est la même chose, à force de crier au lion, parce que cette brave petite fille, très mignonne, très choupinette, eh bien, elle fait semblant qu'il y a un lion. Ah, oui. Et ça, elle a fait beaucoup rire de faire croire à tout le monde qu'il y a un lion. Sauf que le jour où il y a un lion, cette brave petite fille, plus personne ne la croit. Eh bien, bon, ça se finit exactement comme dans l'histoire où on crie au loup, elle se fait un petit peu manger. Ah. Donc, bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, hein. Puis rituel du coucher, paf, une petite tombe. On va se quitter là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, on a été très heureux que vous nous suiviez. Merci, Anna, de nous avoir donné tous ces conseils. Merci aussi de rien. À Marie. Merci, Benjamin. Vous êtes tous les trois extra. Oui, on se retrouve chaque matin du lundi au vendredi à 9h pétante et on se quitte avec Maëva et les bébés du jour. À demain, reproduisez-vous, nom d'un chien galeux.